Bonjour à tous, bienvenue à Code Foot, c'est bientôt la rentrée, et qui dit rentrée dit de nouvelles soirées. Et quand on revient de soirée, on a souvent la gueule de bois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire un petit déjeuner parfait contre la gueule de bois. Vous n'avez pas besoin de grand chose, quelques œufs, du lard, le micro-ondes et la sauce piquante. Je vais commencer par râper une pomme de terre farineuse parce que je vais faire un rosti. Une pomme de terre comme ça toute seule, ça n'a pas tellement de goût, donc je vais ajouter du goût avec un peu d'oignon râpé, de l'ail râpé, du fromage, du sel et du poivre et tout bien mélangé. Former les rostis et puis environ les cuire 5 minutes dans du beurre. Pendant que les rostis sont en train de cuire, je vais m'attaquer aux œufs et au lard. Et pour ça, je vais utiliser le micro-ondes avec une fonction spéciale. Si vous n'avez pas cette fonction, vous pouvez évidemment utiliser une poêle. Et je vais tout simplement mettre du lard petit déjeuner sur la plaque. Et avec cette fonction dual crisp, ça va vraiment devenir bien croustillant. Et c'est évidemment ce qu'on a besoin pour un petit déj. Et ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Et quand le lard est presque croustillant, il est temps d'ajouter les œufs. Et si vous voyez que vous n'avez pas trop de matière grasse, ajoutez un peu de beurre de la poêle ou de beurre frais. Ajoutez les œufs. Et les œufs doivent maintenant cuire, donc je vais les mettre encore 2 à 3 minutes à la fonction dual crisp. Et maintenant, le dressage. Ah, vous voyez, le lard est bien croustillant, les œufs sont cuits, ça va être bon. Et maintenant, le seul ingrédient qui est vraiment utile contre les gueules de bois, de la sauce piquante. Wow. Bon appétit. Le Supreme Chef de Whirlpool est une bête. Est-ce que tu as envie de remporter ce micro-ondes d'une valeur de 300€ pour la cuisine de ton cote? Clique tout simplement sur le lien ici en dessous. Il y a deux possibilités de participer, suis-moi sur Instagram ou abonne-toi à ma chaîne YouTube. En faisant les deux, tu augmentes évidemment tes chances de gagner. Le concours s'arrêtera le vendredi 5 octobre à 20h et le ou la gagnante sera donc tirée au sort. Bonne chance!